There's a dream deep in the American dream. I have a dream. J'ai fait un rêve. Celui que les boutiques existaient toujours, pas encore avalées par les grands monstres de la grande distribution. Et si la chance, à Carvin, de trouver encore ces petites boutiques qui vous font tant plaisir avec leur genre, leur sourire, leurs compétences et leur envie de vous satisfaire, et bien cela par la municipalité. Nous allons commencer par la boutique Marchand Frères avec Florentin. Florentin qui porte un bouton en maille, une blague de flair très confortable, de la marque Caporal, qui nous garde la petite marche au frère. Il porte un jean en slip, enduit un bleu filé. L'ensemble était de chez Caporal. Avec ton sourire, Florentin. Toujours bien par Marchand Frères, qui porte un team Tommy Cooper. Et un peu Hélène Pac, vous allez vous remarquer grâce à son numéro 10. Et vous avez pu remarquer, c'est Coudière Rodet. Et le sourire magnifique de Florent, bien sûr. Campbell, ni Adrien Carambeau, les enfants, vos voisins, vos maris, vos copains, vos copines, ils ont besoin de vos applaudissements parce que là, ils sont terriblement inquiets. Alors, les copines de donner avec un jean, Tommy et Finger. Stéphane, toujours de chez Marchand Frères, la boutique que vous connaissez en face du PMU. C'est tendance, mal placée, vous avez des certains que nous avons politiques encore connus de genre. Pas de nom. Sous laquelle on découvre un gilet Hélène Pas. Et une chemise Tommy Hilfiger avec un jean Gilles ou pas. Et maintenant. Chez Marchand Frères, ça lui aussi les dames. Et on a Roman et Lou. Avec le sourire charmant qui caractérise les gens du Nord. Roman qui porte une robe marine jolie de bord. Élégante et facile à porter. Si nous avons en marine. Signé Garinda. Elles sont chaussées par Coloré, coiffées par Elle et lui, et maquillées par Tarmine, la boutique esthétique et détente. Nous, toujours bien notre enfer, avec un blouson barbarie. Vous imprimez courte Camille. Au
Voilà, la voici. Bien sûr, c'est la collection automne-hiver. Alors, la collection automne-hiver, il va pas faire froid cet hiver, mais quand même, on prend un peu tout le monde dans les catégories. Une nounou non plus, donc c'est pas trop lourd, hein, Ténéis. Avec une capuche que vous pouvez enlever. De laquelle on dégouille, on couvre un petit joujon floué. Et un pantalon en cuir, serré là-bas. Passé par une lunette. On peut mettre bien la main de Camilla, Spa. Et ceci par Corée. Et voici Maria. Maria, c'est toute la famille qui défile. Plusieurs milliers par votre frère. En pantalon à lui, avec une tunique imprimée, des vestes habillées en crème marine, coiffées par Alléluia, chaussées par Coloré et maquillées par Paris. La boutique d'excédie est hésitante. Comme vous pouvez le constater, c'est réversible. Océane. Océane qui n'est pas optimiste, qui a pris son parapluie. Toujours habillé par un champagne, on sait si le sport. Avec un jean, un gilet. Laisse en laine, une douille, ça marche. On peut préparer des huiles, maquillées par Caroline. Elle appuie tour. Alors là, je me demande une attention un petit peu particulière. Parce qu'elle nous vient du Christ Rédempteur, elle vient d'arriver à Carvin. Christ Rédempteur, ça nous rappelle quelque chose? C'est le Brésil. Elle est brésilienne, et j'espère que vous allez l'accueillir comme le savent le faire les gens du Nord. On disait à l'époque, Enrico Macias, c'est un vieux monsieur qui disait, on a le soleil dans le cœur et on l'a pas dehors. Mais aujourd'hui, on l'a dehors et on l'a dans le cœur. Alors vous allez lui dire qu'elle est bienvenue chez les chi. Allez Cynthia. Elle vient de Rio de Janeiro. Habillé d'un marchand frère, avec un manteau trois quarts zippé, en bandelette, avec une fourrure anonyme, c'est le confort chic. Avec un tailleur et une coupe en similitude, sacré et flouté. Et une veste d'un blouson, Gary Weber. Merci Brésil. Alors maintenant, on a les... Là, c'est encore plus délicat, parce qu'on a les pichous qui viennent avec nous. Hop là, hop là, hop là, hop là. Hein? Qui c'est qui s'occupe de Timio? Eh ben voilà, c'est nous avec Timio. Timio, il est un peu déçu par vos moments d'applaudissement. Vous dites à la boutique de père. Avec les chaussures plus belles. Et les lunettes de chez Optic & Co. Alors qui est-ce qui s'occupe d'Ashley? Vous avez vu comme elle est jolie, Ashley? Une petite bande au dirigeant des femmes, pour ceux qui sont fiers. Avec un t-shirt Brody, habillé par Leclerc, et je suis là. Ah,
Clément, c'est la grande classe. Clément, c'est la grande classe. Avec une chemise en pli, en vrai. Un pantalon confort, ça, c'est très doux. Et des chaussures claires, il y a toujours. Ah, et des camisoles en clair. Merci Clément. Et le sourire de charme de Sabrina avec des lunettes de chez Cortique avec Maria. Et une petite jupe droite qui fait ses lisières, un t-shirt, un petit vélo. C'est pas coloré. Alors maintenant c'est le séducteur, c'est l'acteur de cinéma, c'est Antoine, allez, qui c'est qui vient faire un petit tour avec Antoine? Allez, bienvenue. Alors, il se retrouve tout seul le malheureux. Voilà, vas-y, tu vas aller, vas-y. Avec un jean t-shirt, un carreau noir et blanc, et ça c'est la couleur. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes en boutique, car à Carvin, il ne manque pas de boutique. Maintenant, nous avons la boutique Mia, avec Sogania. Et non, pas de pêche, tout en douceur. Les esthétiques. Avec une pièce 3 quarts en maille, avec Camille. Et ce soir, c'est bien entendu de se coeurer et coiffer par une lumière et maquiller par Camille Yasma. Suivi de Émilie. Habillé par Mia. Habillé bien. Et Mia, c'est aussi des tailles confortables. Et Mia. Il porte un pantalon stretch, très souple, sous un blouson droit en simili-cuir. Très confortable. Bravo, merci. La boutique Mia toujours. Maintenant c'est Elisa qui a été coiffée par elle et lui et maquillée par Taoyin avec les chaussures toujours de cette couleur. Sous sa veste cintrée, très colorée, on découvre un pull en coloré, protégé en maille et cachemire, très confortable. Merci Lila. La boutique Mia toujours, la boutique de Mia. Avec Romain. Romain est toujours très à l'aise partout. Un jean kaki. Maintenant on peut vous rendre. Et à Mambeur, ça avait une impression colorée. Je sais pas colorer, toi, c'est ma reine et lui, et maquillé par Tommy. Oh.
la boutique de Mia. Les accessoires sont évidemment aussi de soutien. Avec une collier en tissu comme ça, tout en douceur. À Cara, on regarde pas, on a fait venir le Brésil, on fait venir la Côte d'Ivoire. Avec une souplesse comme ça, je la vois bien avec un mari sportif. Pour faire du pouvoir. Merci, Sonia. Alors on va aller chercher les pitchounes. On va aller chercher les pitchounes. Toujours un séducteur. Viens notre boule. Timide, mais c'est parce qu'elle n'entend pas vos applaudissements. Elle est Lévine. Habillée par le père. Avec un petit poids que j'ai. Et elle a fait des grosses poudres. Et maintenant pour un séducteur avec Gauthier. Et avec Elisa, c'est sa princesse. Gauthier, c'est un chevalier de médaille. C'est que c'est pas coloré. Qu'est-ce que tu es? Et là on a Lou. Avec des lunettes de chez Coping. Il va faire un petit tour avec Sonia. Habité par la petite colère. Avec une petite du pelou. Que c'est pas pelou. Hop là. On n'a pas la campbelle, mais on a un oeil quand même. Hein. Avec une tenue très détente. Et... Et encore une autre boutique à Carvin, boutique relativement récente, puisqu'il s'agit de Justel, située sur la Grand Place, qui habille toutes les générations. Justel. Allez, salut. Avec un jean grippé, et puis ce slipper. Je vous dis que la couronne fleurie ainsi que toute la décoration de la salle est réalisée par Coquelicot. Les chaussures sont celles colorées, la coiffure de chez Imaginaire et le maquillage de chez Camilla. Le jour de ce Justel avec Camilla. Camille porte un papa Lola. Il me sourit. Elle est copée par le génère et maquillée par Camille Yaspa. Je sais pas comment elle est. Oh, voici une petite tremble.
Allez, on finit, il faut y aller. Elle a peur, mais il faut y aller quand même. Avec son parterre à placer. Avec une future, c'est une fourrure synthétique. C'est à vous vivre, là. Je vais remarquer son décolleté en mortel. Passé par coloré, passé par elle et lui. Bien sûr, lui. Décontacté. Ah ben là, ça va, c'est décontracté. Maureen, elle est décontractée, elle est partie décontractée. Allez, Maureen, c'est à toi. Magnifique, Maureen. Avec un jean brut push-up avec 5 poches. Alors, tu vas les contracter là, vas-y, on peut faire pour qu'ils avancent. Et là, tu n'auras pas de soucis. Coiffé par l'imaginaire, mais maquillé par Camille Espagne avec des chaussures toujours de ses colorés. Allez, on va encore chercher quelques pitchounes. Johan, avec Ophélie. Johan est très sportif. Hein. Avec un t-shirt de sport. Et voici une action avec ses beaux yeux. Avec une personne qui connaît l'impression et je sais pas colorer. Oh là là, les marches ici sont plus grandes que la poupée qu'on arrive. Qui nous vient. La poupée qui nous vient, c'est l'origine. Oh, elle est timide. Allez, Laurine. Voilà. Vous voyez qu'elle est très belle dans son pantalon rouge avec cette tunique écossaise assortie et c'est pas coloré. Encore un petit tour, Laurine, allez, on fait encore un petit tour. Voilà, un petit tour. Oh non, ça va vite, elle est pressée de rentrer, Laurine. Très bien. La bien. Allez, hop. Ah, ça va être monsieur. Voilà. Allez Laurine, grand sourire tout le monde, grand sourire tout le monde. Et on avait oublié un mannequin tellement à l'alpha qu'il s'était caché dans le fond de la salle. Allez Tara, il faut y aller. Tara avec une romance mini-cuire. Avec un sourire magnifique comme ça qu'elle va vous présenter quand même, j'espère. Elle s'est dit qu'elle était dans le fond, elle avait peur de vous rencontrer. Et pendant vous lui venez avec une sympathique. Alors, maintenant, je veux voir tous les enfants. Allez, vous venez tous.
pas défilé. On t'a donné ta petite. Allez, venez, 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 venez. Allez, venez, 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 venez tous. Loup qui a un parc en plume.
qui a le même sourire que ma fille, sans se demander pourquoi. Ça va bien, on va aller plus tard. Océane qui cache son poncho à grosse maille, une robe chic et confortable signée Jerry Weber. Et son côté pas mal lui, et un maquillage de Halloween. L'une qui fait pareil lui, l'autre par imaginaire, et maquillée par Camille. Maria, il est par marche en fer avec une veste haute, marine et une tunique et un pantalon qui est de base.
Toujours de chez Macron. Stéphane qui est prêt pour le mariage, il ne manque plus que la mariée. Très élégant avec son costume nickel. Vous avez pu remarquer la décoration florale aussi de ses coquelicots. Alors, gros avantage, c'est du comme ça que je devrais avoir, c'est des chemises qu'on n'a pas besoin de repercer. Ça, c'est super. Avec la boutique Mia de nouveau. Et Lisa, c'est son blouson Simi. Puis, après. Lisa porte une robe élégante et facile à porter. En plus, elle est coiffée par Mélanie, ce n'est pas trouvé, Mélanie, c'est qui est par Fabrice. Ah oui, la boutique est celle qui nous détend. Et voici Emily, toujours aussi décontractée. Alors vous savez, assez élégante et colorée. Elle porte une grande barre chic avec un sac à main vernis. Et évidemment, vous êtes aussi la boutique de Mia. Toujours la boutique de Mia avec Romain et son grand sourire. Nous sommes un peu en Bordeaux du Pays de Petit Pois. On découvre une robe noire en chic et confortable, en tissu stretch. Les chaussures sont toutes colorées. Elle était coiffée par Mélanie et maquillée par Caroline. Sonia qui vient avec sa veste trois quarts zippée en tissu. Bon. Chic et branché aussi.
avec un top noir habillé. Le thème s'appelle Haute Couture. Sur la boutique de Justel, la nouvelle boutique à Carlin, avec Pauline. Avec une robe vert bouteille, c'est un joli petit bouchon quand même. En crêpe polyester, brodé sur le devant avec du temps en fait. Avec du temps. Le modèle s'appelle Esther, avec un super imaginaire, maquillé par Camilla et tous ses parcourés. Ah, fais un petit tour et je te revois avec ta robe bien verte, un petit bouchon, voilà. Juste cette photo. Avec ta robe, c'est ce qui se cachait tout à l'heure. Et donc t'as mis la musique pour la discothèque, t'es prête à aller danser ta robe. Avec une robe montée de Marine. Et ce sont des faits colorés, ça c'est les talons qui comptent. Bien ouvert dans le dos. Allez, un petit tour, Tara. Un petit tour, il ne faut pas lui voir. Il faut la mener quand même. Beau travail. Je sais pas que le mec, c'est pas Lévin, maquillé par Taouine. Je sais pas si vous avez remarqué la coiffure. C'est une cheveu qu'elle a, cette demoiselle. Magnifique. Elle était coiffée par Lévin. Ophélie, il est parti elle aussi. Avec des chaussures colorées, puis ça, un maquillage par oui, et les coiffures de la nuit. Avec le sourire. C'est juste elle sur la grande place à Carlin. Fanny, très élégante dans sa combi pantalon. Avec un collier de chez Coquito. Avec un combi pantalon. Coiffée par imaginaire et maquillée. Chez Mia, la boutique de Mia en fait aussi de la lingerie. Maintenant, si les messieurs ne sont pas intéressés, ils peuvent partir. Hein. Mais je ne pense pas, je ne pense pas. En plus, c'est la lingerie. Vas-y, ma petite musique, s'il te plaît. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? C'est de la lingerie Brigitte Bardot. Les bretelles sont amovibles, mais on prend pas le risque ce soir. Mais pour faire l'applaudissement, on va se réchauffer un peu. Toujours par la boutique de Mia, Romain et Thierry. Il existe pour faire un soutien-gorge de Turquie et qui est également de la ligne française. C'est ce qui ne nous laissera pas froid d'ailleurs. Sokenya et Marie,
répondu tout à l'heure. Maintenant ça va aller. Souriez de rien. Souriez de rien. Marie porte une visite de Gloria. Toujours la boutique de Mia à Angers, avec Elisa et Ophélie. Elisa porte un soutien aujourd'hui fort et sportif. Et toujours la boutique de Mia. De la boutique de Mia à la lingerie, Cathy et Sokelina. Remis lui son étiquette comme il faut, Sokelina. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Cathy, j'ai l'impression d'avoir déjà vu dans un magasin de coiffure, mais je me trompe peut-être. Hein. Maintenant, c'est des tenues que vous appréciez beaucoup, messieurs. Sauf que c'est un peu long à préparer. Ça va vite à défaire. Ça saute, ça se met pas bien comme il faut, ce qui fait qu'on est un petit peu en retard. Qu'est-ce qu'on dit, Elisa ? Ça y est, c'est bon ? Donc, il faut faire pousser les plantes. Hein. Parce que c'est une belle plante. Ben voilà, tout arrive à qui sait attendre. Sous le tonnerre de l'applaudissement. Merci.
Elisa qui porte une guéquière à lui. Et l'ombrelle qui est en fleurs. L'ombrelle est en fleurs, elle était réalisée par Don Clico. La boutique est plein d'idées dans sa tête par Don Clico. Commerçants. On doit aussi remercier la municipalité qui nous a prêté gracieusement cette salle, ainsi que le service COM et qui a installé, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a installé la salle. On remercie tout le monde. J'espère que je n'oubliais personne. Alors, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour la dame qui a, les dames qui ont organisé tout ça. J'ai dit, madame, alors où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, notre jolie? Elle ne veut pas venir? Elle ne veut pas venir?
Madame Dupont, s'il vous plaît. Alors, et Madame Roger, où est-ce qu'ils sont partis? Ainsi que Béatrice qui a fait plus que son travail. Je voudrais aussi remercier la solo. Si ce n'était pas déjà, je vais vous donner un autre fils, c'est Maxime. Bon, ben, je suis désolé, ils sont pas là, les deux plus grandes animatrices de ce truc, de la fille. Merci encore et une bonne soirée à tous. Je vous rappelle que juste après ça, vous allez avoir une démonstration de danse par les filles de Carvin. Tous ces gens sont des gens de la région. Je vous remercie de vos applaudissements. La voilà, Jenny. Et alors, ça a été organisé, bien sûr, toute cette manifestation. Oui. Elle ne veut pas monter, elle ne veut pas monter, les sœurs. Allez, voilà, c'est elle qui a organisé tout ça avec sa sœur et Béatrice. Et alors, ici, avec vos tickets, ne perdez pas vos tickets parce qu'il tombe là aussi qu'on va tirer maintenant. Voilà. Et alors, bien sûr, au départ, c'était organisé par l'IUT de Lens. Une bonne soirée à tous et surtout, là, voilà, Béatrice. Et tous les jours, on est resté au moins jusqu'à 10h, son mari fait la gueule, hein. Mais c'est rien, c'est vrai. Voilà. Allez, bonne soirée à vous. N'oubliez pas que vous pouvez gagner, on va filer à Kouboula dans très peu de temps.